bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Point. C'est la saison hivernale, les parcs sont maintenant fermés, plus rien à se mettre sous la dent, c'est toujours la même musique qui revient chaque année. Non, pas cette musique-là malheureusement. Et donc, comme à chaque année, je fais une petite vidéo pour un peu faire le bilan de la saison passée et pour parler vite fait de la saison future. Commençons par faire le bilan de cette saison 2016 qui est maintenant derrière nous. Peu de découvertes, malheureusement, les quelques projets prévus n'ont pas tous abouti. Beaucoup ont fait. On pense notamment à Mirabilandia, avec un séjour d'organisé, un hôtel de réservé, une voiture de louer, etc. Je ne sais plus compter sur les doigts ma main. Tout était prévu, sauf que l'avion pour m'y emmener n'a pas voulu décoller. Peut-être que cet avion n'a toujours pas bougé aujourd'hui. Dans les nouveaux parcs, il y avait aussi Fantasyland de prévu, projet qui est d'ailleurs envisagé depuis 2014, mais qui ne s'est toujours pas concrétisé aujourd'hui. Le projet est cependant toujours dans les cartons pour l'avenir. D'ailleurs, peut-être qu'il se réaliserait si j'ouvrais tout simplement le carton. Merveilleux! Après, il y avait aussi Park Warner Madrid de prévu, mais bon, ça, j'avais tout simplement décidé d'aller à Mirabilandia à la place et de le remplacer. Si j'avais su, je n'aurais peut-être pas procédé ainsi d'ailleurs, à moins que... On va maintenant parler de qu'est-ce qu'on a fait pendant cette saison 2016. Les seules nouveautés pour moi finalement sont Plops Aqua et Efteling. Pas grand chose à dire dessus, j'ai énormément apprécié le concept de Plops Aqua et Efteling est un très bon parc. Bien que pour Efteling, on s'est un peu laissé avoir par l'influence qui nous a complètement surpris. Du coup, on a bien envie d'y retourner, mais ça ne fait pas partie des cartes pour 2017. Pour Port Aventura, on retiendra que le parc reste génial, qu'il y a un nouveau coaster déjà extrêmement visible qui nous y appelle pour l'année prochaine, mais aussi qu'on a trouvé pire que la SNCF en termes de fiabilité pour les horaires de train. Merci la reine fée d'avoir multiplié par deux le budget de notre trip juste en faisant arriver un train en retard de seulement 20 minutes. Comme à chaque fois, le parc Astérix a été le parc dominant de la saison. En même temps, on va pas se priver d'avoir un B&M à portée de chez soi, hein. Encore faudrait-il savoir le gérer, parce qu'avoir une single rider remplie et voir des trains partir avec des places vides, ça donne juste envie de... Ce sera d'ailleurs le principal coup de gueule de la saison, la gestion assez dégueulasse sur Osiris. Et l'absence de nylon pour la fin de saison. Beaucoup de visites à Walligator cette saison. 4 au lieu de 2 les saisons précédentes, excepté 2013 où j'y suis aussi allé 4 fois. Et pour moi, le résumé de Walligator est très simple. Monster est toujours une tuerie, mais ça on s'en fout. Je ne parlerai pas des parcs comme Disney où je ne suis finalement presque jamais allé de la saison, mais je vais plutôt parler de qu'est-ce qui va se passer cet hiver sur la chaîne. À vrai dire, pas grand-chose pour l'instant. Il y aura bien sûr quelques passages à Disney, mais bon, pas beaucoup, ben comme la saison précédente. Il y en a tout de même un qui est prévu pour le début du mois de décembre. Je mettrai également en ligne une vidéo avec plusieurs on-rides d'Osiris et de The Monster que j'ai tourné moi-même pendant la saison, mais que je n'ai jamais utilisé lors de vidéos. Donc ça, pareil, ça sera un bonus que je mettrai fin décembre. Je ne compte pas reprendre les apprendre à parler coaster pour cet hiver. Sachez qu'il y a quand même plusieurs projets qui sont à l'étude sur cette série, donc j'espère que ça reprendra pas cet hiver, mais plus tard. En revanche, je suis à la recherche d'autres concepts de vidéos pour cet hiver. Des vidéos où il y aurait notamment de l'interaction avec vous. Oui, vous les abonnés. Toi qui regardes cette vidéo peut-être. Vous pouvez d'ailleurs proposer vos idées dans les commentaires en dessous, je suis preneur. Et pour finir, pour l'instant, j'ai un projet de coaster sur No Limits 2, mais comme vous le savez, ça prend du temps. Pour parler vite fait de la saison future, pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire. J'ai déjà renouvelé mon pass pour le parc Astérix, et pour ce qui concerne les nouveaux parcs, j'ai plein de projets en perspective. Ce qui doit faire beaucoup de cartons. Plops Aqua, Port Aventura, Fantasyland, Park Warner Madrid, Mirabilandia, Wally Violand, Holiday Park. De toute évidence, je ne pourrais pas tout faire. Sur les 7 parcs que j'ai énumérés, je pense que j'en ferai que 3 ou 4. Sachant qu'il y a déjà une bonne prédisposition pour retourner à Port-Aventura. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster dans les commentaires vos suggestions pour des nouveaux concepts de vidéos pour cet hiver. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre sur Facebook. Je vous laisse et je vous dis à plus. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi suivre ma chaîne secondaire. Elle a été complètement refaite et elle est assez active en ce moment.